Q, U, B. Du front, des idées, du cran. Éveille la curiosité, suscite la réflexion, favorise le dialogue. Pour comprendre le monde qui vous entoure radio, télé, balado, vidéo. Savoir et comprendre, Cube. Un, un média pas comme les autres. Jeudi, le 24 octobre 2024. Bon après-midi, tout le monde. Bienvenue à l'émission du Retour avec Guy Nantel à la barre, accompagné de Stéphanie Villeneuve. Salut, Stéphanie. Salut, Guy. Ça va? Ça va très bien. Merci. Écoute, hier, il y a un des auditeurs, justement, tu nous disais ça, qui disait, et je le cite, Je ne reconnais plus mon Québec. Oui. Hein, il y a bien des choses qui ont changé depuis quelques temps. Et c'est une réflexion qui traduit vraiment l'état d'esprit de milliers de Québécois. Mais peut-être qu'on a un peu beaucoup à voir avec ça. Et je m'explique, c'est-à-dire qu'on a élu le clan Trudeau depuis des générations, puis on a ce qu'on mérite, franchement. Et je te dis ça parce que hier, Justin Trudeau a été questionné en chambre sur l'école Bedford. Et Justin Trudeau évoque la liberté d'expression. Donc, je te répète, c'est qu'il se fait poser la question sur qu'est-ce qu'il pense de l'histoire de l'école Bedford et il dit, et je cite, De ce côté-ci de la Chambre, nous respectons les compétences provinciales en matière d'éducation, mais nous allons toujours être là pour défendre les libertés, la liberté d'expression, les libertés fondamentales auxquelles les Québécois ont droit. Le gars est premier ministre du pays. Et là, il s'est rappelé qu'une des conséquences de l'immigration incontrôlée qui a mis en place au Québec, c'est que dans certaines écoles, il y a des enfants qui subissent par des enseignants, pas par des élèves, par des enseignants qui sont payés pour instruire nos enfants, Mais ces enfants-là subissent de l'intimidation, du harcèlement, de la violence verbale, du mépris de la science, châtiments corporels au nom de Allah. Mais au lieu de dire à quel point c'est dégoûtant, il évoque le principe de liberté d'expression. Les châtiments corporels pour le mollusque qui nous sert de premier ministre, ben ça relève de la liberté d'expression des professeurs. C'est quand même quelque chose. Vous pensez que j'exagère en disant ça? Regardez, les journalistes, plus tard, l'ont interviewé parce qu'il était un petit peu surpris, on s'entend. Et lui, Trudeau, il répond à ça, il dit, écoutez, ce qui est rapporté concernant les enfants est inacceptable. Mais utiliser des exceptions comme ça pour s'attaquer à la diversité du Québec qui rassemble notre pays, c'est aussi inacceptable. Il met ça sur le pied d'égalité. Donc, tout ce qui compte dans des cas comme celui-là, c'est pas de défendre les enfants pour Justin Trudeau. C'est de défendre la minorité et particulièrement les intégristes dans ce cas-là, Alors moi, je vous pose une question. Faut-il que le gars soit déconnecté de la réalité pour que même s'il se dirige vers une raclée aux prochaines élections, même si le plus mince espoir qu'il aurait de pouvoir s'en tirer aux élections, ben, c'est justement en adhérant une fois de temps en temps, aux valeurs du Québec, parce qu'on s'entend que c'est la seule place en ce moment où les sondages sont un peu favorables à lui. Et même si on parle d'enfants abusés, mais cet homme-là, l'homme homme le plus haut placé de l'État, ce qui le préoccupe, c'est les droits fondamentaux de ceux qui ont commis des erreurs. C'est quand même fort. Une personne censée, digne de la fonction d'un chef d'État, aurait simplement dit, en bon père de famille, il aurait dit « Sacrez-moi ces radicaux-là dehors. Point. Pas de nuance. Rien à rajouter. » Mais ce n'est pas ça qu'on a à la tête dans notre pays. Ce qu'on a, c'est un idéologue qui est obsédé par la question de la religion et de l'immigration. Ce gars-là a compris une chose c'est que les libéraux, là, tant provinciaux que fédéraux, soit dit en passant, sont enfermés dans une logique circulaire, c'est qu'en cessant de gouverner pour la majorité historique du pays, puis penser toujours plus à faire plaisir aux immigrants, bien des plus radicaux, évidemment, dans ce cas-là, ce qui est l'exception, soit dit en passant, je tiens à le souligner mille fois plutôt qu'une, ce n'est pas la majorité. Mais reste que pour lui, Trudeau, la seule base électorale qui y reste, c'est quand même les gens issus de l'immigration. Sa seule stratégie pour conserver le pouvoir, c'est de les défendre coûte que coûte, peu importe le degré d'intégrisme religieux, dans lequel il y a bien des gens qui sont originaires de d'autres pays qui sont justement contre. On entend en ce moment beaucoup de gens là, qui disent « ça n'a aucun bon sens ce qui se passe dans ma communauté ». Puis moi, je, le, je, je, je lève mon, mon chapeau à ces gens-là. Mais Trudeau lui il dit, non, 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 respectez les, les droits de ces gens-là. C'est bien ben beau, la fameuse charte canadienne des droits et libertés, mais le Canada n'a rien inventé, soit dit en passant. Hein. Vous savez qu'au Québec, on a créé la charte des droits et libertés de la personne six ans avant le Canada. C'est précisément ça, la différence entre le Québec et le Canada. Je ne sais pas si vous connaissez la différence entre les deux chartes, mais la canadienne, elle, elle parle juste des libertés fondamentales individuelles. Tandis que la charte québécoise, elle, elle, elle distingue parce que ce qu'elle dit, c'est que oui, il faut défendre les droits individuels, et elle les défend très bien, mais elle considère que ces droits-là, ils doivent être compatibles avec les droits collectifs de manière à favoriser le bien commun. Et c'est ça que le Canada comprendra jamais. Pour vivre heureux, les Québécois, ils considèrent que oui, il faut s'épanouir individuellement, mais à condition d'être en équilibre avec une communauté harmonieuse. Alors, il y a personne ici, personne qui demande à ce qu'on fasse fermer des temples. Ce qu'on dit, c'est que quand tu viens vivre ici, tu dois consentir à une forme de compatibilité civilisationnelle avec la société qui t'accueille. Et j'entends par là la primauté de la loi des hommes sur la loi de Dieu, l'usage du français comme langue commune, la reconnaissance de l'égalité homme-femme, la protection des minorités sexuelles et surtout la protection des enfants. Puis si t'es pas d'accord avec ça, il ben y a bien des avions qui partent tous les jours. Et drôle de coïncidence, l'aéroport est bien facile à trouver parce que lui aussi il porte le nom de Trudeau.